Ok, c'est à l'UMB. Défendons notre pays, défendons notre constitution, défendons tout ce que nous avons comme héritage dans ce pays, afin que l'ennemi ne puisse pas nous arracher ce que Dieu a mis à notre possession. Barrons la route aux antivaleurs, barrons la route à ceux-là qui veulent ternir l'image de notre pays. C'est l'autorité morale Papi Kazadi Chamwangé qui, dans une brève allocution, a présenté l'idéologie de son mouvement qui fait déjà vibrer plusieurs provinces de la République. Fédérer la jeunesse à être de véritables artisans et missionnaires de la paix. IJCCM prend la paix. Une tribune d'expression pour tous les leaders des jeunes présents à cette rencontre. Des questions, des débats, des recommandations, en tout cas un séminaire qui tombe à point nommé. L'orateur revient sur l'importance de la manifestation. La jeunesse doit être vigilante. Nous devons éviter et refuser toute manipulation politicienne et à regarder notre objectif qui est l'intégration de la jeunesse dans la gestion de la chose publique. Soucieux pour un encadrement meilleur des jeunes, les visionnaires Papi Kazadi Chamwangé s'engagent pour l'avenir des jeunes. Je tiens encore à dire à la jeunesse que soyons debout, notre lutte est la même. Et la même, c'est quoi? Nous ne devons pas céder à la manipulation, nous devons tout faire pour récupérer une place de responsabilité au sein des institutions. C'est pour cela que je n'ai jamais cessé d'interpeller à nos autorités, de faire participer la jeunesse dans des structures de prise de décision. La jeunesse ne sont pas là pour porter des mallettes. La jeunesse, nous sommes là pour gérer. C'est pour cela le slogan de l'IJCCM est « Tumaini Lainchi ». La jeunesse est bien évidemment l'espoir. C'est pour cela, en tant que jeune, j'invite à tous les jeunes de s'impliquer aux choses, à l'appareil étatique, pour s'en approprier. Pour ces actions combien louables, apport qui passe par l'encadrement des jeunes, Papi Kazadi Chamwangé a été couronné par une association des journalistes qui veulent à tout prix immortaliser ses actions. Si nous sommes parmi vous ce soir, c'est pour une circonstance tout à fait particulière. C'est de pouvoir honorer un digne fils du pays, la personne de M. Papi Kazadi Chamwangé. L'Union des jeunes pour la croissance d'un Congo meilleur maintient encore et toujours son équilibre.